السلام عليكم. اليوم عندنا الدرس ديال تيربو باسكال، لونغاج دو بروغراماسيون اون تيربو باسكال. دونك كيس كون فار، اون فا رياليزي ان بروغرام دو كرياسيون دان فيشي دون لو ديسك دور. دونك جو كليك دو فوا سور ليكون دو تيربو باسكال. ابري اون اتوندون كيل شارج لو باسكال 7. فوالا fichier new. Alors c'est dans cette zone de texte qu'on va taper le programme. Alors l'autre fois j'ai expliqué les étapes qui vous permettent d'arriver pour créer un fichier dans le disque dur. Et pourquoi créer le fichier? C'est tout simplement pour ajouter les informations dans ce fichier, c'est-à-dire de gérer un fichier ou bien une base de données. Alors la première chose, c'est de créer la structure. Donc programme par exemple le nom uses CRT, alors ici la déclaration de la structure fichier type par exemple PCM est égal à record. Voilà. Alors le compte deux points type par exemple string 4 caractères. Voilà, 4 caractères, string 4 caractères. De combien? De 4 caractères. Pardon, le clavier numérique. Vous avez labelé le point string, le nombre de caractères qui peut contenir le labelé, par exemple 28 caractères. Voilà. And c'est la fin de la création de la structure. Deuxième étape, c'est déclaration de la variable var. Ici on va taper PCMFI, un nom quelconque, voilà, deux points, file of le nom de fichier, c'est PCM, ok. Donc vous voyez ici, c'est la déclaration de la variable type fichier, le nom de fichier c'est PCM, voilà le nom de fichier. Alors deux points virgule, begin, clear screen pour effacer l'écran. Alors maintenant, la liaison assign le nom de la variable mémoire PCMFI, virgule, le nom de fichier physique, par exemple plan comptable marocain, voilà, ou bien plan directionnel, point virgule. Donc vous avez fait l'assignation, c'est-à-dire la liaison entre la RAM et le disque dur. Maintenant, la création physique du fichier par la commande rewrite, voilà, rewrite PCMFI. Et finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut fermer le fichier par la commande close. Le fichier c'est le PCMFI point virgule end point. Si vous voulez ajouter le readline pour faire un pause, voilà. Ou ici par exemple écrire tout simplement un message, votre fichier est bien créé. Voilà, est bien créé. Voilà. Voilà. Donc voilà le programme qui permet de créer un fichier dans le disque dur. Donc le fichier sera nommé dans le disque dur, ça s'appelle plan. Alors on va essayer d'exécuter le programme par la combinaison de CTRL F9. Voilà, CTRL F9. Donc voilà, votre fichier est bien créé. Donc si on cherche le fichier plan, on va le trouver dans le disque dur. La prochaine fois, on va essayer de voir le programme de l'ajout. Ok. Alors à la prochaine.